pas le harrier. Nous avons une guerre demain. Vraiment pour des débiles. Merci, l'US Air Force. Ils ont disparu! Nom d'un chien, pas l'avion des frères Wright. Le conservateur du budget de l'aviation va me faire empailler. Tiens bon fiston, papa va venir te tirer de là. Maman, j'ai trouvé la cachette de Tahiti Bob. J'ai envoyé un message secret à la police. Un dirigeable m'est tombé dessus. J'ai été au centre d'une explosion nucléaire et me voilà. Moi j'ai bousillé une barrière, j'en fais pas tout un plat. Allez, en route. Ah, l'époque où l'aviation était une activité de gentleman. Bien avant que Monsieur Tout-le-Monde, coincé derrière son plateau repas, ne survole le pays à 1000 km/h. T'as pas un paquet d'insectes, toi aussi? Oui. Prêt à engager le combat. Sa vitesse est trop faible pour pouvoir l'intercepter. Je propose de le rattraper à pied. Mon garçon, je te réceptionne! J'arrive! À toi maintenant! Tu ne sauveras pas, Bob. Si tu échappes aux raquettes de tennis, ils t'auront à l'épuisette. Oh! Je n'ai jamais pensé me sauver. En fait, c'est une mission kamikaze. Toi et moi, nous allons tuer Krusty le clown! Les enfants, Itchy et Scratchy ne sont pas là aujourd'hui. À la place, nous avons ce qu'il y a de mieux après eux. C'est le scorpion et la batterie de voiture. Il pique, éclair, il pique, éclair, il pique. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein. Tu peux pas tuer Krusty, et c'est lui qui t'a fait. Sans lui, tu ne t'appellerais même pas Tahiti Bob. Qu'est-ce que c'est, une tondeuse à gazon? Reste pas là, Krusty! À ce train-là, on y sera encore demain! Mort! Krusty, mort! Oh, excusez! On n'est pas habitué à conduire ce genre de truc dans l'aviation. Tu es cuit! Espèce de mutant anti-télé. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez vous, Tahiti Bob?